Ta caméra, c'est là. Ok. On peut commencer, Morija? On y va. Tu as le cœur qui bat la chamade. Ça va. D'accord. Morija, est-ce que l'argent fait partie des trois choses les plus importantes dans ta carrière? Les trois choses les plus importantes dans ma carrière? Oui. Oui. D'accord. Morija, est-ce que tu as déjà refusé un gombo parce que tu as estimé que le cachet était petit? Non. Bien. Morija, as-tu un petit ami? Oui. Comment? Oui. D'accord. Morija, as-tu connu ce qu'on appelle le goumet? Oui. Bien. Peux-tu nous raconter un peu ton goumet? Bon, ça remonte il y a 3 ans. Bon, j'étais avec quelqu'un, voilà, et les choses sont devenues un peu compliquées parce qu'on avait pas, on avait surtout pas la même vision. Mais j'aimais beaucoup la personne et tout. Et puis bon, après, la personne a rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'on essayait d'arranger la situation. Il y avait une période de flottement entre la personne et moi. Et maintenant, on essayait d'arranger les choses, etc. Mais au moment où j'allais me rendre compte, il avait déjà mis son pied, en fait, sur un caillou, comme on dit chez nous. Il avait quelqu'un déjà dans sa vie. Du coup, j'ai été très, très peinée. Parce que c'était ma première et sérieuse relation de toute ma vie. Était-il chrétien? Il était chrétien, oui. Il était chrétien. Et tu as refait ta vie? Oui. Tu as eu une autre relation? Oui. Il est sympa, celui avec qui tu es en ce moment? Oui. Oui. Il est chrétien? Oui. C'est un gars du showbiz, un artiste? Non. Non? D'accord. D'accord. Il fait quel boulot? Il est dans la musique, mais il n'est pas... Il est musicien? Showbiz et tout, oui. D'accord. C'est ton manager? Non. Ton producteur? Non. Il est de quelle ethnie? Il est bété. Il est bété? Oui. D'accord. Morija. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Lumière Bakary. Merci. T'as eu chaud, hein? J'ai des questions bizarres, je crois. C'est quoi ces questions-là? C'est les questions après.